Ce que je viens de dire aujourd'hui me paraît impossible, mais utile, rien ne me coûte d'essayer. Un message pour mobiliser tous les étrangers pour une semaine de grève. Après ça, je pense pas que les industries continuent à tourner, qu'on puisse pouvoir se dépanner chez le rebeu d'à côté. À eux de faire le sale boulot, plus de femmes de ménage pour tout nettoyer. Vois mal un homme d'État faire le travail de toutes ces mères épuisées. Une semaine de grève, un autre prétexte pour être encore mal payé. Comment faire des économies sans aller à ED? Toujours les mêmes qui font le sale boulot, c'est pas nouveau. Et les bourriques deviennent parfois bourreaux. Dans le mot dénigré, y'a nec négro. C'est sûrement pour ça qu'ils voient toujours aucun de nos défauts. Si tous les gens qui sont parqués dans des ghettos se mettaient en grève, ils en prendraient un coup à l'ego. On est comme la pile d'une machine qui aspire chaque fibre de notre énergie pour un peso. Et pour appeler pot, on a les subiens, ils ont les lingots. Tu bosses un mois, on te lâche un billet de 500 euros. D'être le millénaire est bien chaud. Imagine comment ça sera bientôt. Répression à plein pot. Plein pot. Plein pot, plein pot, plein pot. Maintenant faut du cash, tant pis si tu suis pas le tempo. On a mon dos qui met des problèmes sur notre dos. Les peuples restent les premiers comme la note d'eau. On vient pour mobiliser tous les étrangers, même si ça paraît impossible de tout changer. Une semaine de grève, une semaine de grève, une semaine de grève, tous les étrangers. On vient pour mobiliser tous les étrangers, même si ça paraît impossible de tout changer. Une semaine de grève, une semaine de grève, imagine le vide si on nous vire. Comment est-ce qu'elle a vie, comment est-ce qu'elle a ville. Ils regretteraient aussi vite, on n'a pas le monopole du vice. Pourtant vigile et vigile pirate nous visent, comme si on est les plus vils. Faudrait qu'on essaie de devenir comme eux pour s'intégrer. Alors que s'ils pouvaient, ils nous auraient désintégrés. Jouer à un guillet, bon tuyau pour être leur bien-aimé. T'as rêvé, une semaine de rêve et tout va s'arrêter. T'as vu au mois de mai, on a pris les Français pour des teubés. Superman, t'es zéro fait sans prise de tête en une semaine. Faut dire à ce mec que c'est plus un secret. On le sait qu'il a rencontré Le Pen pour prolonger ce règne. Faut faire flipper les officiels et l'audiovisuel. Au lieu de rester cruel entre nous dans nos ruelles. Participer au massacre. Un vacarme, mais ça tourne au macabre. On veut nous abattre du haut de n'importe. Encore une semaine pour que la poste et les administrations soient obligées de fermer. Paris a frais chargé. Aucune équipe ne pourrait jouer. Même en D1, dès le premier tour, la France se ferait jeter. Pour la Coupe du Monde, plus de médailles, plus de sélection. Si t'en doutes, rappelle-moi l'origine des champions. Fini les trophées. Plus de travaux publics, mais autant de flics que de bises illicites. On ne vit pas tous des incendies. Une semaine de galère pour être encore plus solidaire. Ça fera moins d'économie et encore moins envoyé en guerre. En grève, en grève d'une semaine. Alors imagine, plus de transport, plus de taxi. Donc plus de gens exposés au problème. Autant de racisme. Mais je pense pas que ce soit la couleur qui gêne. Trois assez de fachos. Avec ou sans uniforme, la sécurité s'expose face à nous sous trop de formes. Donc personne n'est à l'abri d'une erreur de justice. Qui sait si j'en esquive pas plusieurs de justesse chaque jour. La différence beaucoup la subissent dans ce système. Même les innocents derrière les barreaux. En clair, on vient pour mobiliser tous les étrangers. Même si ça paraît impossible de tout changer. Une semaine de grève, une semaine de grève, on vient pour mobiliser tous les étrangers. Même si ça paraît impossible de tout changer. Une semaine de grève, on vient pour mobiliser tous les étrangers. Une semaine de grève.